de l'eau, du lait, de l'herbe. Non, l'eau et l'herbe ne sont pas toujours comme ça. Non, vous n'allez pas passer votre vie dans cette étable. Bientôt, vous irez voir de l'autre côté, là où l'herbe est de toutes les couleurs, là où l'eau coule et fait de la musique. Regardez cette fenêtre et écoutez-moi. Imaginez. De l'autre côté, tout est recouvert par une laine blanche comme du lait. Il fait trop froid pour aller s'y promener, surtout vous qui n'avez rien sur la peau. Mais tout est bien plus beau que dedans. Il y a des sources, de l'air pur et du vent. Et des montagnes, beaucoup plus grandes que mon dos. Nous sommes au pays du Mont Blanc. C'est très facile de se repérer. Vous devrez apprendre le nom des montagnes. Nous irons vivre à l'alpage de Pormena que je connais bien. Depuis 12 ans que j'y gambade, j'en ai vu des choses. J'ai brouté tant et tant. Mais avant de renifler les étoiles, vous avez beaucoup à apprendre. Et il faudra bien m'écouter. Dès la sortie de la bergerie, ne vous éloignez pas. Restez toujours avec le troupeau. Ne mangez pas n'importe quoi. Mâchez bien avant d'avaler, pour bien digérer et bien profiter. Quand vous serez grand, vous ferez ce que vous voudrez. Mais pour l'instant, vous devez m'obéir. C'est pour votre bien. Restez près de moi, ne mangez pas n'importe quoi. Mâchez bien avant d'avaler pour bien digérer, bien profiter. La montée à l'alpage est un moment difficile. C'est le bazar, pour rester poli. On est mélangé avec ceux qu'on ne connaît pas. Il y a les chiens, les humains sont stressés. C'est un mauvais moment à passer. Certains moutons sont élevés pour le lait, d'autres pour la vigne. Disons que nous, brebis, nous n'avons pas d'autre souci que d'élever nos amis. Les bergers de Pormena viennent nous voir une fois par semaine. Arrivé là, je n'ai qu'une chose à dire, c'est le pied. Dès le premier lever du jour sur la chaîne des Fises, il faut apprendre à se repérer. Alors, de gauche à droite, on répète après moi. Charmose, grépon, ciseau, aiguille du fou, aiguille du plan, aiguille du midi, mont blanc du tacu, mont maudit, mont blanc. Ici, c'est 250 hectares de liberté à l'état pur. Mais attention, pas sans danger. La liberté comporte toujours des règles. Quand vous jouez à cache-cache, n'allez pas dans le fond des mines. C'est noir, les roches sont fragiles. Vous aimez vous frotter aux rochers, mais méfiez-vous des avalanches de pierres. Elles pourraient vous faire rouler dans les précipices ou sauter les barres rocheuses. Régalez-vous de l'herbe à carottes. Mais ne croquez pas les plantes que vous ne connaissez pas. Certaines sont dangereuses et vous seriez malade. Le lac est très beau. Il est très attirant. Mais ne vous en approchez pas trop. Il est très profond et si vous glissez, vous vous noierez. La montagne, c'est pas que du grand beau. Quand la bise se lève, faut s'abriter. Et se tenir tout près du sommet, c'est plus facile pour changer de versant quand le vent tourne.
Avec le temps, j'ai compris comment utiliser les recoins de la montagne pour en faire un abri. En général, l'alpage est calme. Les gêneurs sont souvent debout et à deux pattes. Ils croient que la nature leur appartient. Mais ils ne sont pas dangereux pour nous. C'est une règle. On se prévient de l'arrivée d'un intrus. Surtout si celui-ci est un chien errant ou un loup. Oui, un loup, c'est possible. Tous les 15 jours, les bergers nous rassemblent pour nous compter et nous soigner les pieds. Ils en profitent aussi pour se réunir et se raconter des vieilles histoires. Les anciens expliquent aux plus jeunes. Il y en a toujours qui croient gagner du temps en s'agglutinant ou en passant devant. Laissez-les faire. Ça s'appelle le pédiluve. Ils nous font passer dans un bac de sulfate de zinc pour nous soigner les pieds. Les premiers rassurent ceux de derrière. Après, ça cavale. Je plains ceux qui comptent. J'aime bien être au calme. J'aime bien voir les bergers une fois par semaine. Mais je n'aime pas la foule. J'aime bien le goût de l'herbe à carottes, des rhododendrons. Mais je n'aime pas beaucoup l'herbe de la vallée. Elle est un peu fade et n'a pas de bonne odeur. J'aime bien la douceur des herbes de l'alpage pour me reposer. Mais je n'aime pas beaucoup la paille de l'étable. J'aime bien boire l'eau fraîche des ruisseaux, mais je n'aime pas l'eau dans l'abreuvoir. J'aime bien me promener dans l'alpage, regarder la pointe noire, les agneaux jouer. Je n'aime pas être enfermée. J'aime bien mon indépendance. Vers la fin de l'été, l'herbe jaunit et se fait plus rare. Elle reste verte près des coins humides. On profite encore de très belles journées. C'est tellement bon de se gratter contre la roche et de se gaver de soleil. Il faut faire les provisions avant de redescendre. Provisions de laine et de graisse pour le corps. Bien manger, bien boire. Mais quelles provisions faire pour l'esprit ? Il faut goûter chaque instant, enregistrer les sensations dans sa mémoire. Le sifflement de la marmotte que la bise remplace le soir venu, la musique des ruisseaux, le brame du cerf. C'est ainsi que les agneaux qui ont écouté leur maman redescendent. Pattes fermes, dents dures, ventre rond et tête bien faite. Alors, une dernière fois, de gauche à droite, charmeuse. Crépon, ciseaux, aiguille du fou, aiguille du midi et Mont Blanc, bien sûr. Début octobre,
il est temps de redescendre. Ne regardez pas derrière. Souvenez-vous, racontez, mais ne regrettez rien. Écoutez le son des clochettes se mêler au bruit des hommes et dites-vous que les saisons reviennent toujours. Chaque année, c'est pareil. On est tout fier de sortir et puis on piétine toute la journée. C'est sympa de rencontrer du monde, de découvrir d'autres races. Certains aiment bien les photos, recherchent les honneurs du concours. C'est pas mon style. Je papote, je me repose. J'écoute la musique que je connais par cœur à force. Oh là là, oh là là, oh. Est-ce que vous avez connu le temps où il y avait des vaches dans les alpages? Ah oui, à Port-Menin, j'ai connu avec les vaches, tout ça, oui. Et puis, comme c'était une montagne qui était assez difficile, et puis que ça manquait de vaches, après on y a mis des moutons. C'est une montagne qui est mieux adaptée pour les moutons, Port-Menin. Elle a l'air fatiguée, là. Oh oui, mais elle va repartir, là. Je regrette déjà Port-Menin. On dit chez nous, les moutons, que c'est avant la fin de la foire qu'il faut faire le vœu de remonter l'année suivante. Je veux revoir Port-Menin. Je veux revoir Port-Menin. Quand l'hiver approche, nous avons besoin des bergers pour manger et nous mettre au chaud. C'est un échange qui dure depuis la nuit des temps. Nous donnons notre laine et ils nous nourrissent. Les agneaux mâles nous quittent, à part un de temps en temps, qui deviendra le bélier du troupeau. Il paraît que chez les humains, depuis toujours, les races ne sont pas traitées pareil et que les garçons sont légèrement mieux traités que les filles. Où vont tous nos moutons garçons? Si vous entendez dire que les hommes les mangent comme des loups, ne croyez pas à ces bêtises. Un de temps en temps, peut-être, par accident. Non, surtout, les moutons garçons montent au ciel pour faire les nuages. Ils moutonnent, voilà tout.
Une dernière chose, mes enfants. Une maman mouton sera toujours là pour rassurer ses petits. Et même devenus grands, ils doivent savoir que l'amour dure plus longtemps que la vie. Avant de renifler les étoiles, vous avez beaucoup à apprendre et il faudra bien m'écouter. Alors, de gauche à droite, charmeuse, crépon, ciseau, aiguille du fou, aiguille du midi et Mont Blanc, bien sûr.